putain. Ah voilà, je joue plus. Je te jure, je joue plus. Boum les gens, c'est Thibaut. Allez les amis, voilà, on est de retour. Deuxième partie de vidéo, on va faire un deuxième jeu. Donc après Poppy Time et puis Five Nights at Freddy's. Il a trouvé un jeu, apparemment ça fait bien flipper. Ouais, c'est différent de Five Nights at Freddy's et Poppy Time. Donc là c'est plus dans le réalisme on va dire. Donc on va bien se chier dessus. Avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Mais abonnez-vous, oui. Likez, lâchez des commentaires, partagez la vidéo. Franchement ça fait plaisir, ça nous fait plaisir et ça nous donne toujours de la force pour continuer. Joue avec moi. Moum Kouchmoun. Je lis un peu leur langue. Je dois rentrer à la maison. Pour allumer le briquet. Donc tu dois rentrer chez toi là. C'est pas là chez moi. Non, c'est pas. Tu peux pas chez devant chez toi. Là chez moi. Bah je crois. T'oses pas là en bas. Tu peux pas, je crois. Des poubelles ça bloque. C'est où chez WAM? Vérifie la tâche. Anne a dit qu'elle m'avait laissé une surprise près de la porte. Ok, donc. Pourquoi le gars il doit habiter en haut? Il peut pas habiter en bas? Anne a dit qu'il est amoureux, c'est chou. Mais pourquoi qui, la porte est qui ouvre hein. Qui ouvre sa porte comme ça? Pourquoi il a la vie de péter chez lui? Donc en fait le ref il rentre chez lui, tout est cassé, il se dit pas allô ma meuf. Juste, il voulait juste son cadeau lui. Mec, pourquoi on est le 29 septembre? Vous habitez aussi depuis 3 semaines. Ouvrez la boîte de cadeaux d'Ania. Vas-y. Mais oh ta meuf elle t'offre ça, tu te casses frère. Allez dans votre chambre. Pas des autres frérot. Là là, la chambre à la droite, c'est allumé. Mais qui a un tapis comme ça sur le plat? Qui? Non mais les gars, vous achetez un tapis iranien pour le mettre comme ça? Mec, ce jeu il veut rien dire mec. T'es ma droite. Non mais mec, il est remis. Le gars il a mis des tapis iraniens cloués au mur. Normal. Tu sais, tu démontes ton tapis en le clouant, tu sais. Nouvelle école maintenant, j'étudie avec Anya dans la même classe, ça me plaît. Elle te regarde maintenant. Si elle change pas de place dans 2 minutes. Arranger le canapé, laver la vaisselle, nettoyer la grande salle, nettoyer la... Anya ou Dima, je sais pas quel est son appartement, mais son appartement est dégueulasse. Il est plus là, bah voilà, bien sûr, de toute façon, c'était sûr. Il est au salon. Mais le gars là, il se dit rien? Non mais franchement, tu vois la poupée qui bouge, le gars il reste au calme chez lui. Moi j'aurais déjà parti en courant. Il a juste fait ses tâches lui. Moi j'aurais brûlé la maison, je me serais barré. Juste tu veux faire ses tâches. Lui il fait ses tâches au calme. Il faut que je range avant qu'Anya elle rentre. C'est quoi? C'est cette peluche qu'il avait. Il se dit rien. Il s'en bat les couilles. Il va faire. C'est normal. Hein. Ah, bien sûr. C'est sûr. C'est sûr. Fais pas moi ça. Fais pas moi ça, cousin. Ok, là, comme par hasard, c'est moi. Comme par hasard, c'est à moi que ça arrive. Il va rien se passer. Le truc, il va descendre. Oui, oui, oui. Mais comment il va descendre? Moi, je me souviens du trailer. Donc là, en fait, le ref. Donc est toi, chez tu lui. Sais ce qui va se passer là. Oui, ça va tomber juste. Le ref, il est chez lui. Il se dit, il faut que je nettoie. Et sa maison, elle est hantée. C'est qui? C'est le grand JD, le gars? Ah putain. Oh waouh. Mais non mais, allume la lumière au salon. Va par là-bas cousin. Mais je peux pas, c'est fermé. Genre ça toque normal et ben j'ouvre. Ah 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 ah. Y'a plus, il est parti. Pourquoi je regarde? Ah ah. Ah putain mon cœur. Oh, j'ai mal. Mais frère, mais dis-moi. Y'a des fantômes, y'a des trucs chelous chez toi, et il veut nettoyer le salon. Mais mec. On retourne au salon, les gars. Donc, apparemment. Non, mais y'avait une chaise ici avant. Quoi? Y'avait une chaise ici avant, y'avait un fauteuil. Et maintenant, mec, c'est ouvert là. Mec, y'avait un fantôme avant là. Bah, y'a le balai là. Ouais, voilà un balai. Bah, je vais foutre dans le cul le balai, ok, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est propre, hein. C'est tapé propre, voilà. Ça fait moins peur. Le frérot, il était pas là avant, allez. Au moins, là, il fait un truc sensé, il sort de chez lui. Je devrais jeter cette stupide poupée. C'est ça, sa phrase? Il se dit pas comment il est sorti du... Non. Oh, waouh, mais... Sortez de l'appartement. Mec, je sais pas... Le gars, on vit pas dans le même monde. Est-ce que c'est pire de sortir ou... Non, mais on vit pas dans le même monde, le ref. À aucun moment, il s'est dit, ouais, je devrais jeter cette poupée. Elle est sortie de ton carton. Oh. C'est jamais il s'est dit ça. Y'a quelqu'un ou pas? Wesh. Elle a pas une salle, elle a pas l'air très commode hein. Non mais va pas là-bas mon ref. Ça va madame? Alhamdoulilah, ça va bien? La baisse? Mais faut jeter où? Ah c'est là. Même les voitures En fait faut pas habiter là frérot. Mais pourquoi les gens... Ouais, voilà, j'ai finalement jeté cette stupide poupée. Bien, GG. Elle va se retrouver chez toi. POV la poupée. Elle va se retrouver chez Watt mec, tu vas rien comprendre. Et toi tu vas rester chez toi, tranquille. Bah là il faut rentrer à la maison.
Mais non, à part ça, c'est pas chez toi. Pourquoi la porte est-elle ouverte? On s'en bat les couilles! Casse-toi! Je peux même pas. Le jeu m'empêche d'aller chez moi. Mais non, c'est pas chez toi, c'est chez la voisine. Non, justement, mais là, il m'empêche d'aller de l'autre côté. Ah, t'es obligé d'aller là? Alors, si ça, c'est chez quelqu'un, trouver une issue. Frère, c'est ça. Trouver une issue, c'est écrit. En fait, il dit rentre là, trouver une issue. Le gars, il rentre chez les gens, puis après, il trouve une issue. Ces poupées, elles me tuent trop. Donc, on est là, chez une voisine qui est barricadée chez elle. Pourquoi elle a des barricades? Elle est pendue. Elle était plus là avant. Ah! Avant, elle était là. Il y a le putain de sorcier ici, là. En fait, je sais pas qui est pendu. Je sais pas si c'est elle. La meuf. Mais il y avait pas ça avant. Non, justement. Joue avec moi. Si tu veux. Le lapin. Il va où le lapin? Dans son terrier. Eh bien, merde, je rentre à la maison. C'est tout. Et pas un chapitre juste. Mettre fin à ce massacre. Oh, putain, le téléphone, c'est. Ah, oh, mais putain, c'est quoi ce bordel, comme tu le dis? Ça va, mon ref? Ça ferme, ça barricade. Il a grandi, hein. Il a grandi, hein. C'est quoi ce truc? Après, c'est pas un arbre. En vrai, c'est pas un arbre, mon ref. C'est une licorne. Combien de couteaux j'ai caché dans les trois tiroirs de la cuisine? Quoi? Combien de tiroirs? Couteaux j'ai caché dans les tiroirs de la cuisine. Ça va? C'est un McDo? Quelque chose? Dans les trois tiroirs de la cuisine, il y en a pas trois. Un, deux, trois. Non, un petit cadeau. Il est trop gentil. Mais wesh. À aucun moment, il y avait un mur ici. Aucun moment, il y avait un mur. Et lui, il se dit au calme. Lui, il est peinard dans sa life. C'est un code. Bah, en fait, l'énigme, c'est ça. C'est combien de couteaux j'ai caché dans les trois tiroirs de la cuisine? Dans les trois tiroirs de la cuisine. Ah, mec, on peut ouvrir là. On a regardé 10 fois, là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à 5, aller vers la gauche. Ah non, je crois que j'ai capté. En fait, regarde. Le code, c'est à chaque fois les ronds, là. Ouais, donc là, c'est 3. Ok, là c'est 5. Comptez jusqu'à 5 et allez vers la gauche. Ok, là je vais vers la gauche. Ah, trouvez 4 jouets en forme de sapin de Noël lorsque vous aurez passé la trappe. Ok, donc 3, 5, 4. Sale nul. Ah, parce qu'il y a 6 couteaux, on est cons, nous. On est vraiment cons, les gars. 6, 5, 4. Dinguerie! Oh, y'a le truc qui rampait, mec! Oh putain! Mec, la dinguerie! Y'a le truc qui rampait, mec! Oh! Y'a plus rien derrière en plus maintenant! En plus, tu sais qu'il va y avoir un truc! La porte à droite. Putain, y'a un truc au fond. Tu sais quoi qui marche? C'est pas toi ça, c'est pas toi! Ah! Je sais pas pourquoi on fait ça, mec! Pourquoi on fait ça? Pourquoi je t'ai dit oui? Oh! Après, je vais rentrer tout seul dans la voiture. Là, déjà, à sortir ici, mec. Là, là. Ah, il est là. T'as déjà vu passer? Ah! Putain de merde! Salopio. Du coup, le boulot, je l'ai caché dans le placard. Vas-y, foutre, viens. Pardon. Mec. Ah putain. Putain, pourquoi je fais ça? Je veux finir ce jeu. Pourquoi je fais ça? Les 4 jouets de Nouvel An sortaient de l'appartement. C'est quoi, des jouets de Nouvel An? Moi, je suis en mesure, ils font pas les couilles. On a pris les jetons. Le gars, il se fait un petit pipi. Et allez. Ah putain. Voilà, là je joue plus. Je te jure, je joue plus. C'est pas possible. Oh, mec, mais sur pause. Moi je joue plus. Oh mec, j'ai peur d'ouvrir la porte maintenant, mec. C'est pour ça que je joue pas à ces trucs, ça fout les jetons. Il a mis lampe torche pour aller allumer la lumière. Bon les amis, je crois que le cœur ne va plus tenir. Moi je sais pas comment, moi je sais pas pourquoi on fait ça. Oh. Si toi t'es youtubeur, streamer, tu joues à ce jeu, comment tu fais pour le finir? Oh, j'espère que vous êtes bien marrés. Oui. Non, pas vraiment. Moi, le dernier m'a tué. Oh, petit pipi et tout. Celui-là, il était incroyable. Petit pipi et tout, et bam. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous. Abonne-toi, likez. Quoi. Abonne-toi. Abonne-toi, like, mets un commentaire, s'il te plaît. Là, ça mérite. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo, quoi. Allez. Bonne soirée. Ciao, ciao. Et moi, je dors ici. Moi, je rentre pas chez moi, mec. Moi, j'ose pas rentrer.